Bienvenue pour ce culte musical du dimanche 14 mars 2021 au Temple du Bouclier à Strasbourg. Ce temps habituel où nous mettons en dialogue, en résonance, à la fois des textes anciens de la Bible qui nous parviennent à travers les siècles, d'interprétation, de philosophie, d'histoire, de vécu, le vôtre, le mien, le leur, que nous mettons en dialogue avec ces partitions, aujourd'hui des romantiques, et que nous mettons en dialogue avec deux interprètes. Parce que ce temps de culte est là pour que ça nous parle, pour que ça résonne, pour que ces textes et ces partitions anciennes, à travers leur interprétation, à travers nos interprétations, deviennent parole, beauté, expression pour chacune, pour chacun. Aujourd'hui, Clara et Robert Schumann, Fanny Ensel, Mendelssohn, la sœur de Félix, ce sont des dialogues de couple, de musiciens, qui vont nous accompagner pour ce temps de culte. Merci d'applaudir, non pas entre chaque musique, mais bien à la fin du culte. Et puisqu'il s'agit de couple, nous commençons par une œuvre intérieure de Félix Mendelssohn, avec une certaine gravité, un dialogue, une conversation entre violoncelle et piano, un dialogue qui est, semble-t-il, à tâtons, mais ça se libère. Le sentiment se cherche. Merci. Thank you.
Ces couples de la période romantique, et on a commencé à l'entendre dans la musique, sont dans une certaine tension, dialogue ou contradiction entre ce qu'ils souhaitent vivre et ce qu'ils peuvent vivre dans le contexte familial et sociétal qui est le leur. Alors je vous invite à nous mettre à l'écoute de deux textes qui pour moi entre en résonance, en dialogue avec ces musiques, un texte du livre de la Genèse qui a 25, 26, 27 siècles, qui est le texte sur le couple et qui dit « C'est pourquoi l'être humain quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. » Un texte simple et structurant avec trois verbes: quitter, s'attacher, devenir. Et le second texte, beaucoup plus long, qui a à peu près 20 siècles, du 1er siècle, de la période hellénistique de l'apôtre Paul, qu'il a sans doute repris d'ailleurs, et qui est destiné à une communauté de la ville de Corinthe, c'est-à-dire une grande mégapole, développée, culturelle, économiquement forte, au cœur de la vie, avec beaucoup de beauté,
beaucoup de grandeur, mais aussi des réalités qui sont celles de l'exclusion, de l'esclavage. La société fonctionne là-dessus. Et où la femme, si elle n'est pas dans la haute société, est en situation de dépendance, d'alliance entre famille et intérêt, et vue comme une reproductrice. Et dans cette communauté qui a du mal à vivre dans ce contexte, il y a aussi certaines tensions, et l'apôtre Paul écrit ce texte où il rappelle que chacune, chacun a sa place, donc il prend la métaphore du corps, en disant que chaque partie du corps a son importance, et celles qui, à nos yeux, n'ont pas d'importance, sont tout aussi importantes aux yeux de Dieu. Et comme pour transcender ces tensions, ces rivalités, il offre ce texte qu'il reprend sans doute dans la culture de son époque et qui est un texte souvent cité, utilisé pour les mariages, puisqu'il s'agit de l'amour. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance, je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim, je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais, les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront, le don de parler en langue inconnue disparaîtra, la connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis homme, et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande des trois, c'est l'amour. Ouais, puisque c'est le pasteur qui parle. Voilà. Laissons ces textes résonner avec la suite de Félix Mendelssohn, un adagio. On commence par un choral. Voilà. Alors, c'est intéressant, le choral qui est quelque chose de connu, qui unit tout le monde. Voilà. Et puis le violoncelle arrive, se développe, avec, semble-t-il, des tourments intérieurs. Puis le choral revient et calme, comme une synthèse. Il interrompt, il y a un dialogue, ils vont s'accorder, s'harmoniser, comme si le piano était une assemblée et le violoncelle un individu romantique. À vous de parler. Thank you.
C'est vrai que ça parle. Avec ce dialogue où ils se trouvent et s'harmonisent. Clara et Robert Schumann, un couple qui sans doute a été aussi en dialogue avec des textes, avec des musiques, et en préparant avec vous, ce sont ces deux textes bibliques qui me sont venus en harmonie. Le premier, voyez, tout simple, quitter, s'attacher, devenir. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de contrat entre les parents, et il n'y a pas cet appel à faire à tout prix des enfants. Il y a 25, 27 siècles, c'est pas mal. Ici, le couple, dans ces trois mots, est défini d'abord par une origine dont on va prendre distance. Quitter. Ça ne veut pas dire couper, parce qu'on n'efface pas ce qui a été donné et vécu en société, en famille, en culture. Mais on prend distance, y compris l'homme, alors que d'habitude, la femme était intégrée au clan du mâle. Et puis, il y a ce verbe « s'attacher » qui rappelle que mon existence, ma vie est toujours liée à d'autres. Et encore plus dans le couple. Je ne vis pas seul, je vis grâce aux relations que nous avons les uns avec les autres, et en particulier dans une relation de couple. S'attacher. Comme une marche où je tiens compte du rythme, de la respiration, du pas, de la musique, de la mélodie de l'autre. Et puis le devenir, ben c'est vous, c'est la musique, c'est qu'est-ce que l'on va composer, qu'est-ce que l'on va développer en dialogue, en compréhension, en harmonie pour que ça soit beau. Y compris avec parfois des fausses notes, des disharmonies. Un théologien contemporain dit que le couple, c'est la gestion courtoise des différends. À le mettre en musique, l'interprétation harmonieuse des décalages, je ne sais pas. Corée dit, écrit, Clara et Robert Schumann, quitter, s'attacher, devenir. Certains couples interrogés ou jeunes disent aimer, donner, partager. Soutenir, écouter, construire. Construire, engager, donner confiance. Découvrir, composer, jouer. Ça, c'était des musiciens, d'ailleurs. Vous voyez, c'est comme une partition, c'est-à-dire des tâches sur du papier auxquelles il faut donner de la saveur, de la musique, de la beauté. Et puis l'autre texte de Corinthiens 13, Paul, l'amour, l'amour, l'amour. Vous voyez, en le disant, j'ai un certain agacement vis-à-vis de ce texte, comme s'il était d'une certaine naïveté, romantique, ce n'est pas mon époque, comme s'il suffisait d'aimer. Mais d'un autre côté, c'est un texte qui met la barre très haut, voilà, bien au-dessus de ce qui, aux yeux des gens de l'époque, était important. Parler les langues, la prophétie, le savoir, la foi, le sacrifice.
Paul dit, ben voilà, la relation, alors de couple, mais pas uniquement, la relation à l'autre est beaucoup plus importante que tout ce que vous pensez être important en société. C'est un texte polémique, très polémique. Il met la barre très haut, puis en même temps, il met la barre très bas, parce que lorsqu'on dit, bon alors c'est quoi? Eh bien, c'est la patience, la bonté, l'absence d'orgueil, d'égoïsme. Cette espèce de catalogue de la moyenne bourgeoisie grecque du 1er siècle, pourquoi pas? Quels seraient, pour nous aujourd'hui, des comportements qui expriment cet essentiel de la relation à l'autre? L'amour n'est pas dans les performances, dans la recherche de la perfection et des sommets, mais dans les gestes les plus humbles, les attitudes les plus simples, des recherches de résonance, d'harmonie, de correspondance, de construction, y compris dans les différends ou dans les dissonances. C'est un texte qui pour moi résonne avec Clara et Robert Schumann, qui étaient dans une période romantique, mais aussi avec des tensions sociétales, familiales, pas faciles à résoudre. Et ce texte me fait penser à deux films, puisqu'on est dans l'art. Un film qui est construit sur ce texte, c'est le film « Bleu » de Kieslowski. Bon, ça date, hein. Voilà, c'est mon époque. Avec Juliette Binoche. Comment une femme qui vient de vivre un événement extrêmement douloureux va essayer de se reconstruire, de retrouver des relations, de retrouver de la beauté, de la composition, puisqu'elle est d'une famille de musiciens. Et à la fin du film, ce texte est chanté, en grec. Alors heureusement, il y a un sous-titrage. Et puis un autre film, et on en a parlé au téléphone, parce que les musiques que nous allons entendre tout à l'heure sont souvent dans le souvenir. Qu'est-ce que l'on crée, qu'est-ce que l'on vit, qu'est-ce que l'on compose, comme vous allez le faire tout à l'heure, pour laisser une trace de la beauté du souvenir. Souvenez-vous. Et il y a un film où c'est l'histoire d'une relation, d'un couple, où à la fin, l'une des deux dit à l'autre, ne regrettez pas, souvenez-vous. C'est un film d'une relation, c'est le portrait de la jeune fille en feu, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, ou comment trois personnages qui sont dans des situations de contraintes familiales, de contraintes sociétales, de contraintes aussi de corps, puisqu'il y a un avortement qui est filmé, comment ces trois personnages vont entrer dans une relation de découverte, de respect, d'amitié, de construction de beauté jusqu'à un amour entre deux. Une peintre qui ne peut pas peindre tout ce qu'elle veut parce qu'elle est femme, une jeune fille sortie du couvent et qui doit être mariée, et puis une servante enceinte qui demande à être aidée pour interrompre la grossesse. Et les personnages vont se rencontrer autour de l'art, autour de trois grands éléments de l'art, la peinture, bien entendu, la musique. Alors c'est Vivaldi, mais c'est beau aussi. La peinture, la musique et la littérature, puisque le film est construit autour du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Qu'est-ce que l'on garde? Quel est le souvenir que l'on garde de l'autre? Et puis en même temps, ce qu'il est construit, ce sont des choses toutes simples, comme chez Paul. La cuisine, manger ensemble, cuisiner ensemble, le jeu, elle joue, elle rigole, la randonnée. En relisant ces textes et en pensant à ces films, en écoutant ces musiques sur Internet, ça rentrait en résonance avec ce que nous allons découvrir à travers ces musiques sur Clara et Robert Schumann, mais aussi la sœur de Felix Mendelssohn, Fanny Ensel.
toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Je vous invite à joindre vos voix avec ce chant du 19e, ces paroles d'une certaine époque et d'une mélodie de l'époque, pour exprimer ce que ces textes suggèrent. Je vous invite alors à vous lever. Les musiciens, merci, vont le jouer une fois seul, et puis je vous inviterai à chanter avec moi les trois strophes. Nous allons parcourir, nous allons découvrir deux tableaux, avec chaque fois quatre portraits. Tout d'abord, quatre portraits de Clara Schumann. Alors, vous avez les textes des chants et les traductions, mais nos musiciens les ont transcrits. On transcrit à la fois la musique, mais les paroles pour interpréter et restituer ce qu'ils estiment important de partager. Donc vous voyez, la musique est déjà dans une chaîne d'interprétation, dans une chaîne de captation et de restitution. Et dans la suite de nos textes, vous verrez, vous lirez et vous écouterez surtout cette tension entre la liberté d'être et de créer, un amour qui veut se construire, qui veut porter, puis en même temps une certaine pression. Une pression sociale qui traverse dans ces textes. Vous connaissez l'histoire de Clara et Robert Schumann, Clara qui, musicienne, portée par son père, mais qui n'était pas très favorable à ce mariage, que la femme devienne épouse. Alors ils ont dû lutter pour leur couple, pour se marier, avec ensuite plusieurs enfants, et ensuite dans leur vie, je résume très très vite ce que vous m'avez suggéré, hein, à la fois un couple idéal, romantique, mais aussi un couple plein de fissures. Une volonté d'écrire ensemble, et puis la réalité autour des familles, mais aussi de la vie du couple. L'idéal d'un couple émancipé, et en même temps la mère, qui doit s'occuper des enfants. Alors, quatre portraits. Le premier portrait, où toute l'émotion passe à l'intérieur du personnage, un air intérieur. La personne se souvient de l'aimé disparu. L'émotion est convoquée. Le portrait donne vie.
On part d'une seule personne, la personne a disparu, souvenez-vous. Le second portrait, on verrait les choses plutôt de l'extérieur, comme si le narrateur était un peu détaché, mais on projette des tourments qui ont pu se développer dans le couple. Et en parlant de ces deux-là, on parle de tous les couples. On voulait se perdre dans l'amour, on n'arrive pas toujours à communiquer dans une société romantique avec un individu qui tend vers la liberté, la reconnaissance, l'émancipation, mais où tout n'est pas possible. Et les règles de société et de famille sont là. Le troisième portrait, c'est la nature, tout est beau, peut-être utopique comme dans le texte de Paul, naïf, mais parfois la beauté, un texte, la nature, une musique sont comme un refuge dans lequel on se retrouve, on commence à dire « je », quelqu'un est en route, il y a comme un miracle de la relation et de l'amour, et toute l'œuvre est alors à nouveau dans le souvenir. La nature est refuge et source, source et forêt. Et le quatrième portrait, un texte métaphorique avec des thèmes populaires, fleurs de lotus. Peut-être retrouve-t-on l'émotion des gens de cette époque, mais si le texte est particulier pour nos oreilles aujourd'hui, la musique est, je cite, incroyable. Étonnante d'harmonique, riche et moelleuse. Ça se termine même par une question. Voilà, un chant, un lied qui ne se conclut pas. Et on termine avec les mêmes accords qu'au début de la question. On a la beauté de la fleur, une beauté idéale, et la question qui reste. Cela a-t-il un sens ? Un sens à tendre vers la beauté ? Alors, laissez inscrire en vous ces quatre portraits pour que ça laisse une trace. Et souvenez-vous. Souvenez-vous. Thank you.
Ne regrettez rien, souvenez-vous. Fanny Hensel, la sœur de Félix Mendelssohn, tous les deux dans une famille allemande, humaniste, de grands bourgeois, et d'éducation égale, enfant, garçon, fille, avec une complicité, une rivalité de fratrie. Mais avons-nous vu un certain paradoxe dans les lettres
à la fois l'admiration du frère et de la sœur, une admiration réciproque, mais Félix qui lutterait aussi pour dissuader sa sœur de s'éloigner de son rôle d'épouse et de mère. Elle a épousé un peintre allemand, et c'est après la mort de Fanny que Félix, le frère, publiera les œuvres de sa sœur. Quatre portraits là aussi. Narsudden vers le sud, sans doute en écho à ce voyage que le couple a fait dans un certain enthousiasme de découverte du sud, de la culture, peut-être du soleil aussi, pour quitter la grisaille de Berlin et rencontrer une certaine finesse. À leur retour, Fanny organisera des concerts, comme pour partager ses échappées, ses bouffées d'air. Et le second portrait, c'est le reproche. Une personne s'adresse à l'autre comme si elle était dans la même pièce, avec un « tu » frontal, presque, avez-vous dit, funèbre. On est dans le cycle des saisons, qui permet de comparer la vie du couple dans ses évolutions et dans ses temps. Voilà le reproche, comme si la passion humaine serait incapable de durer et se vivait comme la nature. Le troisième portrait, c'est l'automne. Une belle musique qui est proche dans le propos de Clara Schumann. Il y avait des correspondances, des connaissances. L'automne s'installe. Quelque chose est en train de mourir à l'extérieur, peut-être aussi à l'intérieur. L'autre serait-il perdu? On ne veut pas l'admettre. Souvenez-vous. Enfin, le dernier portrait, une partition qui aurait été retrouvée sur le lit de mort de Fanny, donc écrit peu de temps avant. Une envie par la nature de regarder loin, de se projeter, où la musique ancre une profondeur, une vérité, une éternité. Les dernières paroles sont celles qui sont gravées sur la tombe de Fanny. Gedanken gehen und Lieder fort bis ins Himmelreich. Alors, c'est pas traduit, mais on dirait les pensées et les chants s'en vont jusqu'au royaume des cieux. En gros, la musique, l'harmonie, la composition, l'interprétation qui transcendent la condition humaine et nous laissent de la beauté. Merci. Thank you.
Thank you.
Le silence après de telles musiques est déjà une mélodie qui parle, qui m'introduit à la prière. Mon Dieu, rends-nous attentifs aux cacophonies de notre monde, aux dissonances de la vie. Rends-nous aussi réceptifs aux harmonies. Aide-nous à nous réjouir et à sourire, pour nous ouvrir aux mélodies de la vie en toutes circonstances et à cette musique qui engage à vivre, à dire du beau, à dire de l'essentiel. Et toutes mes prières, toutes nos prières sont dans la prière de Jésus qui a dit, et que vous pouvez dire avec moi, si vous le souhaitez, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous, les fleuves et les rivières, nous vous proposons ce chant qui dit sur la nature, sur la beauté, y compris en hiver, c'est un chant de Noël, en fait. Voilà. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Nous allons l'écouter une fois en entier. Et puis je vous inviterai à le prendre avec moi, c'est une mélodie qui est entraînante. Vous les fleuves et les rivières. Thank you.
La bénédiction, c'est dire du bien, du bon, du beau pour la suite. Bonne route, bonne suite avec tout ce que nous avons reçu, en parole, en partition, en musique, en interprétation, en résonance, en beauté, qui nous parle de l'être humain, de chacune, chacun d'entre nous, de Dieu. Que l'amour de Dieu, notre Père, que la parole de Jésus-Christ le Seigneur et que la paix du Saint-Esprit vous accompagnent et viennent toujours mettre dans vos vies de la beauté, de la bienveillance et de la confiance et de l'amour. Amen. Robert Schumann, Adagio et Allegro, je vous invite à vous asseoir. Une œuvre qui a été écrite pour le corps d'harmonie, capable de jouer dans bien des tons. La pièce a été transformée par les violoncellistes, avec un adagio spirituel, c'est-à-dire qui donne du sens, de l'orientation. On a du mal à le décrire. Et puis ce dialogue entre les deux instruments, toujours ce dialogue, qui se comprennent, qui se parlent. Et ça se terminera par un allegro, paraît-il tourmenté avec une énergie folle, mais on a besoin parfois de cette brûlure et de cette force pour poursuivre. Merci.
puis, bienvenue la semaine prochaine. Les cultes musicaux se continuent tous les dimanches à 15h. Un grand merci. Nous pouvons sortir avec les règles sanitaires, comme il se doit. Bonne fin de dimanche, bonne fin de semaine, et à bientôt.